Je sens trop l'accident arriver là. Mais qu'est-ce que tu fais, collègue? C'est pas moi qui faut arrêter, mais qu'est-ce qui... C'est quoi? Mais waouh! Oh, c'est quoi ce bordel? La pire unité de police! Vous avez adoré cette vidéo, le GTA 6 version BMG, et je vous avais dit dans cette vidéo qu'on pourrait faire un épisode spécial où je suis policier. Voilà, officier Alex, dans ma voiture de police, dans Vice City de GTA 6, et il y a du trafic partout. Je démarre ma journée de policier, de très très bon policier bien sûr. Je suis un bon policier, wow, wow. Voilà, t'as vu ça? Regarde cette belle cascade de Starsky Hutch, mon gars. J'ai défoncé la voiture. Mais quel abruti! Allez, moi je vais me promener sur la plage. Tiens, regarde, y'a mes collègues là. Eh, les collègues! Y'a un mec qui fait du drift là. Y'a un mec qui fait du drift. Ah, c'est un policier. Pardon. J'allais l'arrêter. Oh, mais collègue! Qu'est-ce que tu fais, collègue? Il fait des burns. C'est pas grave, c'est un agent de police. Les policiers, ils ont le droit de faire des burns. T'as qu'à devenir policier si tu veux faire des drifts. Oh, y'a les collègues, s'arrête un gars là. Go, 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 go! Descends tout de suite ta voiture. Je te préviens, descends tout de suite. Ouais, c'est ma matraque. Mais parce que les collègues, en fait, ils ont pris toutes les matraques dans les casiers. Qui restait que ça? Ok, moi je suis un bon policier, moi. Get 16, drift, ils roulent en sens inverse. C'est le pire mec. Mais j'ai le droit, je suis policier, d'accord? Je fais ce que je veux. Personne me dit ce que je dois faire. Quel idiot. Hé, hé, les collègues. J'ai cassé le moteur. Ok, c'est bon, j'ai récupéré une autre voiture de police, faut pas le dire à mon chef. Par contre, il sait pas, j'ai laissé l'autre au milieu de la route. Bon allez, moi je vais me poster pour arrêter les gens, là. Oh! C'est... Eh! Oh! Il se passe quoi, là? Oh, 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 oh! Il a foncé sur un agent de police, il est parti! Je l'ai vu, hein, j'ai tout vu. J'étais en train de contrôler que la circulation se passe très bien. Et cet individu a foncé sur un agent de police. C'est pas bien, ça, hein. Moi, j'ai l'œil ouvert, je vois tout, d'accord? Oh, 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 collègue, collègue! Faut arrêter qui, là? Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le mec, il a fait une cascade! Il s'est pris ce truc à pleine balle et il s'est envolé. Il est où, Roger, là? Oh, Roger, il a tout défoncé sur son passage. Roger, qu'est-ce que t'as fait, Roger? Roger, qu'est-ce que t'as fait? On a arrêté le suspect. Ah, c'était lui le suspect, là? Pourquoi il y a une voiture dans le poteau, là? Le mec, il a fait un vol plané. Il s'est envolé. Oh, purée, j'adore, c'est trop bien. Roger, calme-toi un peu, hein, ok? Bon, allez, moi, je passe... Je suis le pire keuf. À toutes les unités, je vais franchir le pont afin d'observer les citoyens de l'autre côté de la rive. Que là-bas, je pense que ça fait les petits margoulins. Là-bas, ça doit traficanter, moi je te le dis. Eh. Ils en ont profité qu'on soit pas là. C'est quoi ce hangar là? Je sens qu'ici, le trafic. Laisse-moi surveiller ici là. Ce trafic des cerises. Trafic de... La féfé, la lambeau. Je le savais, je suis sûr c'est un traficante. C'est un mec qui fait du trafic, ça veut dire. Ah non, c'est lui là. Mon gars, je croyais que c'était la lampe. Je suis le pire keuf, attends, je vois même pas qui c'est qu'il faut arrêter. Il y a un mec qui m'a dépassé à pleine. Le mec, il m'a même pas respecté, lui, là. Il m'a dépassé à pleine balle en mode. Elle saigne. Elle saigne. Ça va ou quoi, elle saigne? Ok, respectez bien la route, hein. Je vais passer à l'aéroport, voir s'il y a pas des gens, là, qui essayent de passer par effraction, là. Voilà, ici, on est dans la zone industrielle. Ici, à tout moment, ça peut déraper avec des gens pas très sympas. Regarde, là, t'as vu? La Lamborghini, je te l'ai dit, à tout moment ça dérape. Et collègues, on y va. Désolé, monsieur. Mais au bout d'un moment, il faut pas rester au milieu de la route, hein. À toutes les unités, on va l'arrêter. Le lapin, il fait quoi, là? Il fonce... Ah oui, mais sérieux, là, il fonce sur la police, carrément. C'est quoi, ce mec? Bah, oh, il va créer un accident, je le sens trop. Je le sens trop, l'accident arrivé, là. Mais qu'est-ce que tu fais, collègue? C'est pas moi qu'il faut arrêter, mais qu'est-ce qu'il... C'est quoi? Mais waouh. Oh, c'est quoi, ce bordel? La pire unité de police. Collègue, à cause de toi, j'ai ma porte qui s'ouvre. On dirait un film de Michael Bay avec des accidents de partout, regarde ça. Oh, c'est bon, on se le fait. C'est bon, stop, stop, stop. Arrestation réussie, sans casse. Allez, jeune homme, tu peux repartir, je t'ai mis un PV. Ah, je crois qu'il a un peu sonné, hein. Il a pas trop aimé. Bon, moi, par contre, j'ai un problème de portière maintenant, là. Attendez, je vais refermer ma porte. Regarde, get l'artiste. Get l'artiste qui ferme sa porte. Je crois que c'est pire qu'avant, non? Bah, c'est une aération, c'est fait exprès. Ça s'appelle la ventilation. In my car. Aux States, in the United States, on fait des systèmes d'aération avec les portières. Voiture jaune à pleine balle. Allez, les collègues, on y va. Venez tous, venez tous. Collègue. T'es sûr que c'est un policier qui est dans cette voiture, là? Collègue, ça va, là?
T'as essayé de braquer un magasin? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'es complètement fou. Mais t'es complètement zinzin. La prochaine fois, je dis au chef. Hein. Non, mais oh, ça va pas? Allez, je vais aller faire un tour au quartier commercial. Je t'ai dit, moi, tous les quartiers où je vais, je trouve toujours un truc à arrêter. Je deviens un très très bon policier, moi. Les gens ont peur de moi quand j'arrive dans la rue. Et de mes drifts, surtout. Oh, t'as vu ce drift? Qu'est-ce que le drift? J'ai raté complètement. Ça fait n'importe quoi. Wow! Eh ben alors, jeune homme? T'es sérieux, là? Oh! Hey, les gars, t'as vu, je t'ai dit. Et comment il va super vite? Arrête-toi, jeune homme. Tu vas trop vite. J'arrive pas à te rattraper. Que je passe par là. Oh, il a créé un accident. Il a créé un accident sur la voie. Oh là 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 là, c'est dangereux là ce qui se passe. Il a percuté un automobiliste, il lui a arraché sa roue. Il lui a volé son enjoliveur. Arrête-toi, jeune homme. Je vais te taper avec ma matraque, je te dis direct. Aie peur de ma matraque, parce que c'est pas une matraque que j'ai, c'est un marteau de chantier, mon gars. Il y avait que ça dans les casiers. Le destin a fait que mon drift s'est raté pour que je l'arrête tout de suite. Je suis trop un bon policier, moi. Vous pouvez le dire dans les commentaires, je suis un bon policier. Tu peux même t'abonner au meilleur policier de tous les temps. C'est sur cette chaîne YouTube. J'arrive, waouh! Ok, j'arrive dans la zone commerciale. Je sais qu'ici, il y a des gens, parfois, ils s'amusent à voler dans les magasins. Donc pour moi, là, ça va être une grande affaire. Déjà, on a un petit problème. Il y a une enquête qui doit être ouverte ici exactement. Il y a quelqu'un qui a volé un morceau de poteau. Et maintenant, le poteau lévite. Qui a volé ce poteau? Je veux un nom dans les commentaires. Parce que là, c'est pas bien de voler un poteau comme ça. C'est hyper dangereux. À tout moment, il peut tomber le poteau. Franchement, c'est pas bien ça. Hein. Voilà, comme le mur le dit, non! 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 Pas voler, non! Je vais patrouiller. Je patrouille les gars, ok? Faites-moi confiance, hein. Je vais juste me poster à un endroit où je peux vraiment bien patrouiller, ok? Ouais, les gars! Vas-y, c'est quoi, là? C'est qui le meilleur pilote de tous les temps, là? Get, comment j'arrive, là, dans la place? Là, c'est comme quand j'arrive en Colombie! Ah, je débarque en Colombie, les gars, je cherche les traficantes. Je rentre dans les favelas. Attention, la cascade, wow! Oh, mon pare-choc! Y'a un mec qui est... Je me fais tirer dessus! Wow! Oh, je crois que je vais y rester. Oh, purée, j'ai failli me retourner. C'est hyper grave, ce qui se passe, là. Attendez. Oh là là, c'est quoi ce bordel? Je me suis embourbé. Oh non, j'ai embourbé la voiture. Oh non, j'ai... Oh merde, j'ai embourbé la voiture. Comment je vais expliquer ça, mon patron? Allô, chef? Oui, j'ai eu un petit problème avec une course-poursuite. Il y avait des Mexicains, là, et ils étaient en train de fuir. Et ils m'ont arraché un bout de pare-choc. Et après, je me suis embourbé dans la terre. Oui. Exactement. Patron, j'ai besoin d'une autre voiture du coup. J'ai vraiment pas fait exprès. Je suis désolé, patron. Vraiment. Mais c'était pour le bien de notre pays, l'Amérique. Oh, oh, hey, collègue. Oh, quoi? Il se passe quoi, collègue? J'arrive. À toutes les unités. C'est qui le suspect, là? Ça m'a fait trop peur. C'était une blague. Pas mal, la blague, collègue. Je croyais qu'il y avait un mec qui était en excès de vitesse, quoi. Je suis bien posté, je trouve, là. Qu'est-ce que tu fais, là? Vas-y, avance là. Eh, il a peur, hein. Comme il a flippé, il s'est dit. Oh, il y a la police, au cas où, je la laisse quand même passer alors que je suis prioritaire, hein. Bouffon, J'entends les sirènes des collègues. Allez, les collègues, on y va. Les gars, c'est l'unité. Ouah, l'unité d'élite, on arrive avec 4 voitures, ça c'est un gros casse. C'est qui s'est passé? Oh, le policier là-bas. Le collègue, il a perdu le contrôle de son véhicule. Oh, mais pourquoi les citoyens nous. Qu'est-ce qu'il fait, collègue là? Collègue, qu'est-ce que tu fais là? Il s'est retourné. Go! Et vas-y, t'es sérieux là, collègue? Tu me fonces dessus comme ça? C'est lui là qui a... Attendez, tout ça pour arrêter lui là? Pour arrêter une voiture de papy qui a rien fait? 5 voitures de police, dont une qui s'est éclatée là-bas dans le virage. Regarde, on la voit encore. Pour juste un mec qui a dû rouler à 40 km/h au lieu de 30 km/h. Collègue, tu fais quoi là? T'as essayé de faire un demi-tour rapide et furieux et je crois que ça s'est un peu mal passé. Je vais t'aider, hein. Pierrot, je t'aide. C'était pas une bonne idée. Je suis jamais passé par ici, je ne suis jamais venu ici, d'accord? Ah, direction la casa de l'aéroport. Je sens qu'il y a quelque chose de pas normal à l'aéroport, c'est par ici. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va aller chercher son pote, le trafiquant, là, à l'aéroport. Et je pense que ça va très mal tourner. Regarde, il y a déjà des camionnettes. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Beaucoup de voitures de police. C'est bizarre, là, ça bouchonne un peu. Je l'avais dit, le traficante. Poussez-vous les traficantes. On fonce dans le tunnel. Il est déjà sorti de l'aéroport. Collègue, ça tourne. Tu fais du wall ride, collègue. Comment je vais faire sans toi? Non, collègue, je sais même pas c'est qui. Ah, il est là. Oh, waouh. Et il a son coffre ouvert. On va aller observer ça. Et voilà. Regardez, ça trafique.
Ça trafique des pare-chocs. Je le savais, monsieur, je le savais. Allez, c'est une arrestation réussie. Hein, des pare-chocs qui viennent tout droit de Colombie. Starsky et Hutch. Starsky, Starsky. Pardon, monsieur, j'ai arraché votre... We're killing us, everybody, let's go. Oh là là, mais mec, c'est quoi ce policier du dingue? Oh mon gars, je vais aller dans l'aéroport. Oh mon petit chapeau, il s'est arraché, écoute la voiture. Il y a une flamme qui est sortie. Attends, j'ai fait du tuning. Oh, la voiture, elle fait un de ces bruits, mon gars. Le pot d'échappement, il s'est arraché. Du coup, il n'y a plus silencieux. Il n'y a plus d'essence non plus. Je viens de péter le rôti. Ah, mais c'est sur cette case incroyable. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos sur le GTA 6 de PBG. Pense à liker la vidéo, t'abonner, la partager avec tes amis. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, tout le monde.